Yo les frérots, nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, très content de vous retrouver les gars, ça fait un grand moment qu'on s'est pas parlé et ça me fait très plaisir de revenir pour un ça dit quoi. Voilà, je reviens sur le YouTube game, j'ai des nouvelles idées, voilà, j'ai eu besoin d'avoir un petit temps de pause pour réfléchir sur quoi faire. J'avais pas forcément envie de me forcer à faire des vidéos et du coup j'ai préféré faire un petit temps, voilà, prendre une petite pause. Je crois que c'est une petite pause de 3 mois, quelque chose comme ça. Donc voilà, comme ça j'ai pu penser un peu qu'est-ce que je vais faire comme contenu et tout ça. Je me posais pas mal de questions. Et je vais vous en parler dans cette vidéo, donc beaucoup de choses à dire. Donc voilà, si vous avez envie de savoir ce qui s'est passé, un peu ce qui va se passer sur la chaîne et tout ça, restez sur la vidéo les gars, ça va être très important. Et donc voilà, on est parti, je vais commencer par le premier sujet les gars. Je vais reprendre les lives TikTok. Voilà, j'avais fait, à l'époque je faisais que des lives Twitch, et honnêtement ça m'a un peu saoulé les live Twitch parce qu'en fait c'est très compliqué quand t'es tout petit de grandir par Twitch, je trouve. En tout cas en faisant des live Twitch, c'est soit t'arrives à te faire une commu quelque part et après tu ramènes sur Twitch, ou alors pour se faire connaître c'est très compliqué je trouve. Voilà, je vais faire des live TikTok. Je sais que les live TikTok, c'est, j'en ai fait pas mal et je connais comment ça fonctionne, je connais le fonctionnement et tout ça. Donc voilà, on va faire des petits lives sur TikTok, ça va être plutôt cool. Donc voilà, n'hésitez pas, mon TikTok est en description les frérots, n'hésitez pas à vous abonner. Je crois que je suis à 1300 abonnés, donc on va essayer de charbonner ça et aussi charbonner les vidéos dessus sur TikTok, faire des petits clips et tout ça. D'ailleurs, je ferai peut-être une annonce si quelqu'un est chaud de faire des montages, juste de faire des clips de mes vidéos et comme ça de me les envoyer et on les met sur TikTok. Si quelqu'un est chaud, voilà, n'hésitez pas en commentaire ou même sur mon Discord, rejoignez et comme ça vous m'envoyez un message, c'est plus simple. Donc voilà, on est parti les frérots. Je voulais commencer par ça pour vraiment ceux qui, je sais qu'il y en a qui regardent que 2-3 minutes de vidéo, donc comme ça vous êtes au courant. Ensuite, on va partir du coup sur le deuxième sujet que j'ai envie de parler dans cette vidéo, c'est le rythme des vidéos. Donc on sera aux alentours des 2-3 vidéos par semaine. Ça sera des vidéos avec un peu de montage et un peu fun comme vous avez pu voir dans mes dernières vidéos. Un peu de montage, de la musique, voilà. Donc du coup je vais pas bombarder une vidéo par jour parce que je veux vraiment faire des vidéos un peu plus qualitatives. Et donc ouais, ça sera 2, 3, peut-être des fois une si c'est une grosse vidéo et que voilà. Mais j'ai vraiment envie de faire des vidéos qui me plaisent, sur des trucs qui m'intéressent. C'est vrai que comme je vous ai dit avant, je me remettais pas mal en question, je savais pas trop quoi faire. Parce que en fait je voulais vraiment, et je pense que c'était la mauvaise façon de penser. Je voulais vraiment trouver un jeu et faire que du contenu dessus, que du contenu dessus. Sauf que je me suis rendu compte que je me lasse assez vite, en tout cas dans les jeux en ce moment. Et même, je me suis souvent... Enfin, j'ai jamais tryhard un jeu et fait 10 000 heures dessus, j'y arrive pas. Du coup, je tryhard plein de petits jeux à chaque fois, enfin à chaque fois sur des petites heures. Par exemple, 100 heures, des choses comme ça. Après, j'abandonne parce que je me lasse. Donc, j'ai décidé de faire des vidéos présentations, par exemple, sur un jeu qui vient de sortir. Par exemple, je fais une vidéo présentation, ou même sur un jeu qui est sorti il y a plusieurs années, et je vous fais un peu comme ce que j'ai fait sur Cyberpunk. Vous savez, ma vidéo Cyberpunk, c'est devenu quoi en 2024? Ou 2023, je sais plus quelle année je l'ai fait, mais en tout cas, voilà. Et je sais qu'elle a bien plu, mais voilà, je ferai ce genre de vidéo-là, mais un peu plus travaillée. Ou par exemple, j'enregistre du gameplay, et après je parle par-dessus. Un peu comme ce que je vais sortir lundi sur Averlul. Je vous le tease maintenant, voilà. Cette vidéo-là, elle sort lundi. Je pense que mercredi, jeudi, il y a la vidéo sur Avalol. Donc voilà. Je pense que les premières semaines ou deuxième semaine aussi, je vais sortir pas mal de vidéos. Et après, je vais commencer à instaurer le rythme de 2-3 vidéos par semaine. Donc voilà, ça fait plaisir. On va partir sur ça. Et aussi, je ferai des vidéos présentations, comme je vous ai dit, sur des nouveaux jeux. Et s'il y a des jeux qui m'intéressent, je ferai des let's play de quelques épisodes. Pas des trucs de fou, 20 épisodes, mais genre 5-6 épisodes. Et si je vois que ça vous plaît vraiment, on continuera, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il y aura un peu de tout. Ça sera un peu mélangé, multigaming. Vraiment multigaming, c'est-à-dire que il y aura peut-être du Minecraft. Après, ça peut partir sur du GTA. Enfin voilà, ça peut être vraiment multigaming. Et il n'y aura pas vraiment de restrictions là-dessus. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie de vous montrer plein de jeux. Je sais que ma commu est pas du tout là-dessus. Ma commu est plus axée 1v1 LOL, Fortnite, parce que c'est assez similaire. Roblox, voilà, parce que j'ai une commu assez jeune. Mais je sais que depuis le temps, vous avez grandi. Moi, j'ai grandi aussi et j'ai d'autres envies. Voilà, je vous ai dit, comme je vous ai dit, je vous ai teasé une petite vidéo sur 1v1 LOL.
Elle arrivera, ouais, je pense mercredi ou jeudi, je pense, quelque chose comme ça, avec un petit montage et tout. Donc ça peut être cool. Et voilà, les frérots, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, on va revenir tranquillement. J'espère que vous allez bien, les gars. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Bon, c'est pas encore fini, mais vous avez encore combien? Vous avez un peu moins d'un mois. Donc profitez à fond de vos vacances, c'est ultra important. Parce qu'après, plus tard, vous verrez quand vous serez dans la vie entre guillemets active, ce sera plus compliqué d'avoir des vacances. Vous n'aurez pas des gros 2 mois de vacances comme ça. Donc profitez au max de votre enfance. Et voilà, les frérots, moi je vous laisse sur cette petite vidéo. Voilà, c'était vraiment un petit ça dit quoi, histoire de remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Et je vous referai des ça dit quoi. Ça, c'est vraiment important pour moi, je trouve, et pour vous. Je pense qu'il y a certaines personnes qui aiment bien ce format. Je sais que ceux qui sont attachés à ma personne, entre guillemets, vous kiffez ce genre de vidéo. Donc voilà, moi je continuerai d'en faire. Et ouais, je vais faire pas mal de live aussi. J'aimerais en faire 2-3 par semaine aussi, pareil. Quand j'ai le temps, des fois je n'en ferai pas dans la semaine, mais et quand j'ai envie aussi. Du coup, voilà, suivez-moi sur TikTok, très important. Et voilà, je vous fais plein de bisous les frérots, je vous aime. Et merci pour la support. Même quand j'étais pas là, j'ai vu que vous étiez. Vous regardez mes vidéos et tout. J'ai fait quelques vues et tout, donc ça fait très plaisir. Merci les frérots, je vous aime, bisous bisous.